se retrouve aujourd'hui avec, pour ne pas changer, un All Nose. Donc, voilà le ticket de caisse. Je le mets comme ça, il est énorme. On a trouvé pas mal de choses. Je vais vous montrer mes petites courses et puis, bon, bah, c'est parti, on y va. Alors, coup de cœur de ce retour de Nose, c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc c'est un joli sac à main, très joli. Donc c'est la marque Kimidol. Il était à 6,99€, donc un beau sac à main avec des petites anses comme ça, où on a aussi avec le en version plus grand. Donc, il faudrait que je le remette correctement parce qu'il a été tout mal mis. Tac. Comme ça. Donc voilà, il est super joli. Donc de plus près, on va essayer de voir quand même les petites finitions à la lumière. Donc il est brodé. À l'intérieur, c'est juste. Il y a un grand compartiment. Avec, je sais pas, comme c'est noir, c'est pas bien voir grand chose. Il y a deux petites poches. Donc on peut mettre soit le téléphone ou des petites affaires. Voilà. Super joli, franchement, gros coup de cœur de ce. Bah de ce haul. Donc voilà. Hop, on va continuer. Je vais le poser à côté pour pas le salir. Alors, mon chéri s'est trouvé des petites enceintes multimédia. À 4,39€, donc voilà. C'est pratique pour écouter de la musique un peu partout. J'ai trouvé des petits livres recettes comme ça. Donc ils étaient à combien d'ailleurs? Oui, ils devaient être à 2 ou 3 euros. Ils étaient soldés en promotion. Je vous montre à l'envers, évidemment. Vous n'allez pas voir grand-chose. Donc là, il y a 500 desserts. Pour m'entraîner, peut-être faire des futures vidéos. Hein, on ne sait pas. Il y a tellement de choses. Hein. Donc, ça fait envie. Là, par exemple, une petite crème de cappuccino au chocolat. Et sur celui-là, il y avait 500 recettes express, donc plusieurs sortes de recettes. Hein. Pizza, tortillas au poulet. Donc voilà, très intéressant. Alors, mon chéri s'est trouvé un mug énorme, hein. C'est mug Star Wars, donc il était à 1,99€. Donc on peut y mettre beaucoup de choses. Je ne sais pas la contenance, mais oui, c'est vraiment le maxi mug. Très sympa. Hop. Ensuite, j'ai fait encore mon stock de liquide vaisselle. Ça, c'est le du mire vaisselle framboise groseille. Donc, à combien il était? Il n'y a pas de prix, le mire vaisselle. J'essaie de retrouver, en fait, dans le... la longue liste, hein. Mire vaisselle 2,50. Voilà. 2,50 et on a 1,5 litre. Hein. Donc là, ça va faire pour un petit moment quand même. Hein. On va. Oui, ça c'est Tom qui s'est trouvé ça. C'est une tête de requin, mais avec des petites des petits jeux, enfin des petites figurines d'animaux en plastique. Hop. Donc on a un peu de tout. Voilà, c'est des petits animaux. Hop. Comme ça. Pour qu'ils jouent avec. Ah, 1,99€, mais je vois qu'il y a un point. Donc, il devait être soldé. Ouais, je ne sais pas. Si je le retrouve, je le mettrai dans la barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. Hop.
Ensuite, on va aller dans la nourriture. Donc, j'ai trouvé des petites nouilles. C'est pareil, il n'y a pas de prix. Comme ça. C'est. Oui. Non, il n'y a pas de. Ah si, 60 centimes. Politique. Ensuite, bon, ça, encore un objet divers. C'est un petit Skylanders à 3,99. Voilà. Il y a des fans de Skylanders à la maison. Donc, ensuite, là, encore des nouilles chinoises, mais là, c'est des natures. Donc, 75 centimes. Je vais prendre carrément le sac sur les genoux, ça va aller plus vite. Alors, des petites gaufrettes à 59 centimes. Donc, on a à la fraise et au citron. J'essaye d'accélérer un peu parce que sinon, ça va être un petit peu long. On a repris des petites cacahuètes comme ça. C'est Thai style. Donc, c'est super bon. J'aime bien. 99 centimes. Hop. Ensuite, l'incontournable, mes petits encornets, je sais, j'adore ça. À 79 centimes, ma petite boîte, hop. Une sauce de la marque Zappetti, sauce pizza. Donc, 59 centimes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petites cubes bouillon de la marque Knorr à 39 centimes. On a repris encore des nouilles instantanées au poulet à 40 centimes. On a pris deux. Ça, c'est du sucre gélifiant pour faire des confitures à 50 centimes. Le Mikado King, évidemment, 69 centimes. Ça, c'est franchement, c'est super bon, j'adore. Le seul souci, c'est que ça part trop vite. Donc, le deuxième. Hein. Ensuite, en nourriture, qu'est-ce qu'il nous reste en nourriture? Qu'est-ce qu'il nous reste? Encore une sauce pizza. Donc, c'était 59 centimes pour faire les petites pizzas. Après, il y a un petit peu de tout. Donc, mon chéri s'est trouvé une rallonge à 1,75 €. Donc, c'est une rallonge 2-3 mètres. Voilà. Blanche. Voilà. Ensuite, il a trouvé un couteau en inox. Je pense que oui. Ça va être de l'inox, oui. Donc, c'est 1,50 €. Ouais, c'est l'inox. La marque Gimel, je connais pas du tout. Pour la cuisine, c'est top. Ensuite, il a trouvé des petits récipients, pareil en inox, à 50 centimes pour mettre des sauces. Un petit ramequin en forme de cœur à 50 centimes, je pense. 50 ou 60. Dites-moi en commentaire. Moi, je vois 50, enfin 60 peut-être. Voilà. Super mignon. Ensuite, j'ai trouvé un petit. Comment qu'on appelle ça? Une petite passoire à 1,50 €. J'en perds mes mots. Bon, le prix de base était à 4 euros, donc c'est pratique pour faire des sauces ou des trucs sans grumeaux. Des petites piques pour les apéritifs ou les verrines, tout ça. Donc 99 centimes. Donc, c'est un assortiment de 12.
Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on va passer là-bas? Maintenant, on va arriver au rayon de la beauté. Donc, j'ai trouvé des lingettes nettoyantes, démaquillantes. Il y en a 70 à 99 centimes. Donc, la marque Biarel, je connais pas. Ah non, c'est même pas. Non, je me trompe. Je croyais que c'était des lingettes démaquillantes, mais non, c'est des lingettes de bébé. Donc, ça servira pour les mains ou les. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Je croyais que c'était des. Ouais, non. Je me suis trompée. Voilà. Des lingettes, voilà. Hop. Ensuite, on reste dans la lingette, ou la lingette intime. 99 centimes. Donc là, il y en a combien? Il y en a 25. Beauté pure. Je connais pas, je vais tester. Ensuite, un shampoing à 1,99 € de la marque Juste Coco. C'est un shampoing qui fait quoi? C'est oui, voilà. C'est un shampoing classique à notre goût. Je vais chercher d'autres trucs, mais non, c'est juste. Donc, ça sent super bon, j'aimais bien l'odeur. Évidemment, faut aimer la noix de coco, mais moi j'adore ça. Donc, c'est Coconut Water, donc je vais voir. Hop, on pose ça à côté. Ensuite, j'ai repris un autre shampoing parce que bon, j'aime bien avoir mon petit stock de shampoing. Je change régulièrement de shampoing. Je sais pas combien j'ai dit le mot shampoing. N'importe quoi. Donc, à 95 centimes, je vais y arriver, à la marque Sun Silk. Donc, c'est. Ça lisse. Ça fait quoi de beau? C'est pas écrit en français. Donc, oui. Voilà. Ensuite, je suis fatiguée, moi. Alors, j'ai trouvé un petit kit de manucure. Des petits ciseaux, des petites pinces à épiler, une lime à ongles et deux tailles de coupe-ongles. Donc à 1,75 €. Il y en a un qui va être dans mon sac à main parce que j'ai jamais de chance. Moi, je me casse souvent les ongles, donc pour bien limer, même la petite lime aussi ira dans mon sac à main. Ensuite, donc de la marque Elite, j'ai trouvé un pinceau, pardon. Pinceau blush. C'est à 3,99 €. Donc je vais l'ouvrir. Mais je n'ai pas de ciseaux. C'est embêtant. Comment faire? Non, bah tant pis. Je vais essayer comme ça. Ah si. Ah non. Bon, tant pis. Voilà. Je l'ouvrirai plus tard, je ferai des photos. Ensuite, j'ai trouvé de la marque encore Elite. Il y avait une caisse où il y avait plein de produits. Un petit kit de Nail Art à 1,99 €. Donc, c'est des petits. On a des petits tampons. Je vais regarder comment c'est fait à l'intérieur. Je vais me lancer dans les petites décos pour les ongles. Je trouve ça super sympa et assez mignon. Hop.